Ô amis, ô ennemis, vous qui passez là, bienvenue à vous. Ô vie, ô douce nuit, chaque jour je ne vis que d'ennui dans mon lit. Je pense et repense chaque nuit, comment pourrais-je exorciser mes démons en moi cachés? Je ne veux que vivre avec vous, d'un amour sans égal, d'un nous. Encore saurais-je espérer que cet amour réciproque dans nos cœurs à jamais puisse égaler ma tristesse si lourde. Quand je live et me mets à nuit, comme un fer chauffé à blanc que jamais aucun feu ne peut éteindre, celui qui saurait. Ô toi, mon amour, la gloire, la chance et la beauté, que tout recherche et en devienne fou d'allégresse. Saurais-je te trouver? Oh yeah! Bonjour à tous et bonjour à toutes! Ah, vous y attendez pas celle-là. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce petit déj de viking rempli de poésie et d'allégresse ce matin. Le cœur lourd et le plaisir de vous avoir à mes côtés. Bonjour à tous. Installez-vous confortablement. J'espère que vous allez bien, que vous puissiez profiter de ce live et que chaque matin, vous vous réveillez avec la joie et la bonne humeur qui incombent. Merci de vous installer. Nous sommes mardi matin. Nous sommes le mardi, on va être précis, 18 septembre. Voilà, 2018, de l'an de grâce 2018. Et voilà, j'espère que vous allez bien. Un peu de poésie, un peu de tristesse ce matin. Car cela faisait 4 jours, 4-5 jours que je n'avais pas live. Alors, pour de nombreuses raisons, le temps. Le temps qui fait que les choses se pensent, tout simplement. Alors mes amis, eh bien bienvenue à vous pour ce modeste live qui a été tourné en matin. Je ne sais pas quand est-ce que vous allez le regarder, mais n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous regardez plutôt le midi ou le soir. Dans tous les cas, le repas est présent. Comme vous pouvez voir, la taverne a changé. Voilà, la taverne a changé grâce à Cyrian de Huge Enemy qui a changé la taverne, qui l'a rendue beaucoup plus belle, beaucoup plus attractive, avec plein de petits trucs cachés. Je vous ferai un jour, un de ces jours, un petit test pour voir si vous reconnaissez tout. Mais voilà, quelques petits tests. J'espère que vous allez bien en tout cas, que vous êtes confortablement installé parce qu'on va aller sur Monster Hunter World. Je l'ai poncé le jeu, j'ai pas mal poncé pour vous divertir, pour vous apporter le maximum d'astuces et surtout être le plus, comment dirais-je, objectif possible. Est-ce qu'il est bien? Est-ce qu'il n'est pas bien? La réponse en fin d'épisode. Alors, on y va et nous y voilà. Sans transition, Monster Hunter World. Le jeu qui a pas mal fait grincer des dents les joueurs. Qui a pas mal fait grincer les joueurs PC parce qu'il est pas, il était, il devait sortir en janvier, il est sorti qu'au mois d'août, donc ah, on était triste, mais il est là depuis mois d'août et on peut enfin le streamer, on peut y jouer, on peut s'amuser. Voilà. Ça va mon petit Melkor? Le abonne-toi qui ne abonne-toi qui ne voit pas, abonne-toi à ceux qui peuvent. Allez, commençons, chers amis. Donc, vous voyez, j'ai deux petits personnages. Un petit personnage sans trop rien. Et un personnage avec beaucoup. Donc, on va prendre ce personnage. Voilà. Tout simplement. Ah, avant. Avant de commencer. Bah oui, parce que vous me connaissez quand même. Vous me connaissez. Vous savez que je suis un petit peu spécial sur mes goûts. Tac. Voilà. Hop. On va voir si ça fonctionne. Ok. Heureusement qu'il y a du réglage. Voilà. Heureusement, les amis. Heureusement, on est là, on règle tout. Voilà. Tac. Vous en faites pas, hein, je pars pas. Hein. Vous en faites pas. Vous en faites pas. Bougez pas.
Faut quand même vous montrer les cinématiques. Bon visionnage. Camarades de la cinquième flotte, l'heure est venue. Étant un homme de peu de mots, mes adieux seront brefs. Une fois à bord de ce navire, il vous sera impossible de faire machine arrière. La prochaine terre que vos pieds fouleront sera celle du nouveau monde. Ceux dont la résolution vacille peuvent encore renoncer. Personne ne les jugera. Très bien. Le voyage peut donc commencer. Que l'étoile de Saphir soit avec vous. Allons conquérir le nouveau monde. Je sais pas pour toi, mais j'ai l'impression que ça fait une éternité que je suis parti de chez moi pour rejoindre la commission. Alors, un peu d'appréhension ? Oh, t'inquiète pas, moi aussi. Il peut nous arriver n'importe quoi, mais bon, c'est tout l'intérêt de... Salut ! Hé ! Tu serais pas de la classe A, par hasard ? Quoi ? Sérieux ? Nous aussi ! Hé ! Comment tu t'appelles ? Eh bien, je m'appelle Ulstrif, le viking. Voilà, ça c'est pour débuter, vous voyez. Alors, d'accord. Tac. Ah. Petit souci avec... voilà. Ok, pourquoi pas. Bon. Oui. Bon, eh ben, comment vous allez ? Ça, c'est une petite cinématique d'intro, ça. Ça, c'est une bonne petite cinématique d'intro. Moi, j'aime bien. Je sais pas pour vous, mais moi, je trouve ça sympatoche. Alors, attendez, parce que je vais réduire un petit peu. Hop, voilà. Faut que je recadre tout. Alors, attendez. Tac, tac, tac. Alors, ok. Voilà. Bon, on va pouvoir entrer sur Monster Hunter maintenant. Ah bah oui, il est temps. On va pouvoir y entrer maintenant. Maintenant que vous connaissez à peu près l'histoire. On est simplement la division, c'est tout. Alors, créer. Non. Terminé. Oui. Allez, créons notre session en ligne. Alors comment vous allez-vous ce matin, Lolo, Melchior, vous qui êtes là, on est quand même 5 viewers sur présent. Comment allez-vous ce matin, est-ce que vous avez bien dormi? Moi je suis réveillé depuis 5h du mat, je vous avouerai que c'était très dur. Voilà, réveil depuis 5h du mat, pas simple, non pas simple du tout le réveil, tout ça, c'était chaud. Je me suis réveillé toutes les 2h, ça fait plusieurs jours que j'arrive pas à dormir. Je me réveille toutes les 2h et j'ai pas la pêche. C'est pas simple. C'est quand vous arrivez pas à dormir, c'est jamais un plaisir, en fait. Bon, ami forgeron. Bonjour à toi, ami forgeron. Comment tu vas? Moi aussi, je t'aime. Tout ça, bonne journée. Alors, on va forger des amulettes. Ouh, des belles amulettes. Waouh.
Faut une pierre marine, ouais. Toi t'es gentil toi. Ah, voilà les armures. On est dans le vif du sujet. Alors. Oui, donc tu me comprends, t'as fait un 4h-8h, donc on se comprend. Donc voilà les amis, un petit peu le bordel. Pourquoi je suis en 20 FPS? CPU 20 FPS, pourquoi? Attendez, je regarde un petit truc là. D'accord. Merci Dragon Blanc, merci à toi, merci pour le like. Et bon, on est repassé à 60 FPS. Yes! Coucou mon Dragon Blanc, comment tu vas? Donc, je vous montre un petit peu les armures du jeu. Voilà, quelques petites armures. Fort sympathiques, comme toujours. Regardez-moi ça. Les belles armures du jeu. Elles sont belles, elles sont magnifiques, mes armures. C'est qui les plus belles? Celle-là, elle est magnifique. Celle-là est magnifique. Ça. J'adore celle-là. D'ailleurs, en parlant du Baros, je peux enfin faire sa gueule. Allez, mon gars. On farm. Ouais. Allez, les gars. Tadam. Trop cool. Non. J'ai enfin le casque. J'ai le torse. Il manquera plus que les jambières. Ça va être bon, ça. Les bras et les jambes. Oh, dur, mon dragon blanc. Tu joues à quoi? Ah, on a pas mal de beau stuff, hein. Alors ça, j'ai toujours pas compris ce stuff. Voilà, celui-là, pourquoi? Pourquoi? J'ai pas compris. Re-coucou Satanicum, comment tu vas? Eh bah, tu vois Satanicum, t'as loupé le live privé, mais t'as vu le, tu vois le live public. C'est bien, c'est principal. Donc les amis, Monster Hunter World, est-ce qu'il y en a dans la salle qui ne connaissent pas Monster Hunter World? Ou Monster Hunter tout court? Parce que pour ceux et celles qui ne connaissent pas la franchise Monster Hunter, c'est une franchise très célèbre, détenue donc par Capcom principalement. Il y a eu Nintendo qui s'est mis dessus, puis maintenant Sony. Il y a pas mal de personnes qui détiennent ce jeu, hein, tout dépend de l'éditeur. Et Monster Hunter, c'est un petit peu la crème de la crème. Voilà, vous allez comprendre. Hop, depuis ma sacoche, j'ai quoi à vendre? J'ai que ça. J'ai que ça à vendre, sérieux? Bah, moi, le strip. Les choses n'ont pas été simples. Fortnite, mais je vais faire du rétro. Pas de soucis, Dragon Blanc, pas de soucis. Mais nos problèmes, ma petite Satanicum, nos problèmes. Donc, Monster Hunter World, voilà, c'est principalement. Eh bien, une surprise. Ce jeu, c'est surtout une surprise. Parce que c'est un personnage, X, donc vous êtes le héros, qui se balade et qui va explorer le monde. Tout simplement, il va explorer le monde et vous devrez chasser les monstres de plus en plus. Vous avez pas mal d'armes. Au départ, il y avait 7-8 armes. Maintenant, dans des notes, 14 des armes. Donc, vous voyez, c'est vraiment pas mal du tout. Avec MH World, on a plein d'armes. Alors, vous avez plein de Monster Hunter. Monster Hunter 3 et Ultimate ont donné les lettres de noblesse à MH. Mais vous avez aussi MH Génération et plein d'autres. Et c'était autant sur console que sur portable aussi. Hein. Vous avez sur DS, Nintendo DS, vous aviez les premiers. Hein. Le premier est sorti sur PS2, je sais plus. Moi, je sais que le premier auquel j'ai joué, c'était sur DS. Ensuite, j'ai joué au Monster Hunter 3 sur Wii et le Ultimate sur Wii U. Voilà. Et maintenant, je suis sur le MH World. Donc, ça fait du bien.
Voilà, donc le but de votre personnage, en fait, c'est d'avancer, de continuer une mission, d'avoir une histoire. Alors, l'histoire est très simple, vous allez voir, je vais vous la raconter, ça se tient sur la carte. Voilà. Ça se tient sur la carte. La carte. Donc, on arrive à peu près ici, au départ de la cinématique, on arrive au départ ici... Et en fait, nos navires donc étaient à peu près sur les continents là-bas, là, au loin. Et on arrive sur le Nouveau Monde en suivant un dragon ancestral qu'on essaye tant bien que mal de capturer. Donc, nous sommes la cinquième. Donc, c'est-à-dire qu'il y a eu quatre autres expéditions. Vous verrez, c'est important. Donc, la première est venue, a découvert le monde, etc. Nanana. La deuxième est venue, a redécouvert le monde, tout ça, tout ça. La troisième est venue. Bref, vous avez compris, nous, on est à la cinquième génération. Et donc, on arrive. Et on arrive par la mer. On arrive, voilà, dans cette forêt ancienne. Et dans la forêt ancienne, en fait, on débarque un petit peu. Et on va devoir traverser la forêt jusqu'à Astera. Ensuite, à Astera, on découvre la ville, on voit le commandant... On reçoit des ordres de mission, on va même dans le désert des termites pour comprendre un petit peu les dragons anciens. On y voit d'ailleurs le Baros, le Jiura, le Razian et plein d'autres. Et ensuite, on décide d'aller sur la brèche pour combattre le dragon ancien, dont je ne retiens jamais le nom, et qui était vraiment génial. Et donc, à ce moment-là, on arrive au poste de recherche, et le poste de recherche qui est dirigé par le capitaine de la troisième. Le capitaine de la troisième, entre-temps, on découvre un chevalier de la première, même deux. Un qui vit dans le désert termite, et l'autre qui est dans le campement d'Astera. Et donc, on est dans le poste de recherche avec la troisième, et la troisième nous envoie sur le palato du corail, hein, tout simplement. Et c'est là où nous allons aller. Nous partons en expédition au plateau du corail. Tout simplement. Donc j'espère que vous allez bien. Il est très sympa comme jeu. Est-ce que ça va sur le live? Dites-moi un petit peu si tout marche bien sur le live. C'est important. Voilà. Ah mais les bonnes démos. Ah les bonnes démos. Donc nous voilà. Dans le troisième monde que je viens de découvrir, le monde corail. Notre objectif est de repérer le Tiyaku. Le Tiyaku qui est une bête assez sympathique. Par contre, je crains que le jeu... Il y a une petite latence. Donc les amis, je vais juste faire une petite... Vite fait, je cut et je reviens. D'accord? Bougez pas. Et nous revoilà. Nous revoilà en direct. J'ai baissé un peu la résolution. J'ai baissé un petit peu la résolution pour gagner en FPS. Options. Parce que c'est un jeu qui est très gourmand. Encore plus avec un PC important. Mais voilà, il est très gourmand comme jeu. Et j'ai baissé un petit peu la qualité. Alors, 1-1-1. Ok, confirmé. Voilà. Donc normalement ça devrait aller beaucoup mieux. Salut Rizzy, ça marche? C'est bon? Tout le monde est ok? Voilà, normalement là sur le live vous devrez récupérer un petit peu de FS. Je me suis mis en 1200, en 720p plutôt qu'en 1080. Voilà, je suis désolé, j'ai changé un peu le framerate. Donc les amis, on va foncer dans les terres. Voilà. Donc la carte du monde. On va aller sur la droite. On va aller sur la droite, on n'y est pas encore allé. Les effets sonores sont bluffants dans le jeu. L'ambiance est dingue. Même pas possible de suivre les cours. Ah bah désolé monsieur Hérési, hein. Pardon. Mais tu veux me dire que tu regardes les cours là en même temps de regarder le live? Te fous pas de ma gueule. Ah, en garde. C'est qui le papa? Et voilà. Non mais où?
Hop là. Deux petits monstres. Des petites surprises. Que bonjour Micro Ice. Et donc pour ceux et celles qui se posent la question quelle arme j'ai, eh bien c'est une morpho hache tout simplement. Moitié hache, moitié épée. Et totale puissance. Voilà. La puissance pure et dure. Donc une bonne carcasse. Ah, os de corail. Ça va sûrement être utile. Et un os solide en plus. Ça c'est bien ça. Ah, on va prendre ça. Zone 2. Mais quels sont donc ces monstres? Ah. Eh ouais, Micro Ice, tout à fait. Mais un grand plaisir, mon charme. Oh, le flash. Le tsiyaku. Ok, toi, t'es à moi, toi. Le Raffinos. Tu veux y retourner et manger quelque chose au passage? Non, ça devrait aller. Où est-ce qu'il est ce bestiau? Il est au-dessus. Allez, on grimpe. Allez. Je vais faire le multitâche, ça va. T'as eu pas mal d'actions, comment ça mon petit Micro Ice? Mais c'est bien que t'aies plié le jeu. Mais plié le jeu, c'est bien, mais voilà. Faut s'amuser. Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes dans Chasse et Pêche. Okay. Okay. J'ai rien d'autre. Bon, allez, on se prépare. Mais t'inquiète pas Micro Ice pour moi, j'ai eu pas mal de trucs déjà. Je connais le jeu Micro Ice. Hein. Tiens. C'est du brutasse, c'est du très brutasse. Ah, d'accord. Il est un peu plus rapide. Ok, mon bestiau. Pas comment on m'appelle moi, les jambes de velours. C'est le petit déj mon gars. Le petit déj, on sert du dino. Ok, bon je me bats comme un plan. Tiens. D'accord. Tiens, t'en fais pas, je vais te la purger la bestiole. Allez mon chat. Oh putain, à peine je monte, il m'allume. Il m'allume cette bestiole.
chien. Merde. Voilà. Mais j'étais de dos. Mais oui, je sais que c'est du petit dino, Micro-Ice. C'est un petit, là. Il est relativement chiant pour les armes aussi lentes que la mienne. Allez. Oh là là. J'ai pas vu ma bière, faut bien viser. Tout à fait, Tenchi. Ah, mais j'étais pile sur l'angle. Mon personnage qui met 50 ans. Allez, on croit mon personnage, on y croit, allez. C'est le matin. Regardez, elle bouge constamment, la bestiole. Morfler. On donne plus 10 en dex. Sacré bien. Allez, mange. Meurs. Allez, on suit. Allez, vas-y. Salut. J'ai cueilli des champignons. Pour ça que j'étais pas là. C'est du matin. Oh là là, joli flash. Oh, carnage. Merci mon chat. Je bois ma potion, le bestiole me lâche pas. Allez. Morflé. Ah, mon arme elle est plus très bonne là. Allez, on y croit. On y croit. Ah, on a retrouvé un petit peu de couteau là. Un peu de vie.
Même mon chat, il voit plus rien. Allez, on fonce. On le rattrape. On le lâche pas. On y croit, Saloperie de bestiole, là. Ouais, on peut réparer ses armes à l'infini, ouais. En fait, on les aiguise, en fait. Elle s'enfuit. Elle va pas très bien, là. Elle va plus très bien, la bestiole, là. C'est bon, ça. Oh, la shit, Dino, t'inquiète pas, Micro-Ice. T'inquiète pas, je transforme, là. Là, je suis en cours. Les gars. On arrive dans son antre. C'est ton antre, ma bichette, hein. Ouais. Je vais voir ce que je vais lui faire, moi. Cette bestiole de mes deux. Allez, bim. Oh, en mode violent, la bestiole, là. Salut Aurélien. Oh putain, toi, je te jure, je vais pas te louper. Ah, j'ai à peine le temps de me remettre debout. Allez, on se transforme en épée. Voilà. Allez. Ben voilà. Que demande le peuple? Massacrer un petit dino? Eh oui, Aurélien. Un petit live matinal pour se réveiller. C'est comme à la bonne époque. Mais je vais te défoncer les miches, toi. Toi, tu m'as pas cherché pour rien, toi. Non, mais oh. Ah. Par contre, il y a un point d'interrogation. Une paire là. Merci, merci pour les GG. Elle était pas simple celle-là. Perle de lumière sous les projecteurs. Et ben voilà.
On a le droit à notre petite flotte. Allez, c'est bon. On a le droit de boire. Je sais que le but à la base c'était juste de le repérer, Micro-Ice. Mais si on peut le buter, je pars du principe que c'est du plus. Oui, il fallait juste le repérer, retourner au poste. Voilà, c'était une mission facile, mais pas pour le Sir Viking avec son épée marteau-hache, son épée-hache, sa morpho-hache, qui lui a décidé de d'en faire un plan personnel. Voilà, on est mort là. On parle plus. Voilà. Ouais, Tenchi, elle est un peu transparente, la bière. non, Aurélien, je ne le referai pas sans me faire toucher. Non, c'est pas possible. Je te le dis en toute amitié, c'est pas possible, mon charme. Alors, tac. Est-ce que je cherche un truc? Ok. J'ai par là. Je complète la livraison pour avoir ça. Ok. Elle enfonce. C'est ça. On m'a demandé de faire le repérage de la bestiole. J'ai fait le repérage. Putain, c'est mou. J'ai fait le repérage et je reviens avec la tête et les griffes de la bestiole. Comme ça, je dis que je l'ai repéré. Ni vu ni connu. Ah, ça, faut que j'en tue des bestioles comme ça. Là. Tiens. Toi, là. Crève. Tu vas. Mou. Rire. Je. Dans. Chaîne. Oh bordel. Ah oui, c'est vrai qu'on peut s'accrocher. Moi j'aime bien les tuer. J'ai vu qu'on pouvait les tuer, alors je me suis. Ah. Bonjour. Toi, t'as un monstre pour fille. Ça va? Attendez. Technique. Hop là. Hé, je suis pas là. Tiens. Hé. Ça va toi? Oui, t'es tout mignon, hein. Fais un petit selfie. On fait un petit selfie. Oui, c'est ça, Aurélien. J'ai au moins une preuve que je l'ai vu. Hein? Tu sais le fil, non? Non. Je sens pas chaud, hein. Ah, le Pao. Là, je l'ai déjà combattu. Je sais de quoi il est capable, cette bestiole. Cette vile bestiole. Faut qu'on aille où, là? Ouais, faut que j'aille par là, moi, je suis con. Allez, go! Non, mais c'est totalement un ballon, ce truc-là, tout à fait. Dès qu'il prend son souffle, il y a toute sa collerette, en fait, qui gonfle. Et ça devient un ballon. Les devs de chez Capcom, ils sont éclatés avec lui. Ah mais j'ai pas reculé, hein. J'ai pas reculé, je me suis juste mis en fufu. C'est pas reculé, ah non. Ah non, monsieur. Non, bah non, pas de c'est ici. Ah bah non. Eh, vous avez cru que je tomberais, hein. Eh, j'ai presque toute ma draconite, là. J'étais content pour une fois. Allez, requête complète, ça c'est fait. Hop là. Une graine de ténacité. Nice.
Ah, mort là. Bande de tarés. Vous êtes des malades. Un peu pire. Voilà. On est monté, je sais pas où, mais on est monté. Je pense que ça va être amusant, ça va être la descente. Voilà, on est loin de là où on voulait aller. Mais c'est pas grave, je vous dirais. C'est pas grave. Plus important, c'est l'expérience. Voilà. Hop là. Et aucun bobo. C'est validé. Ok. Vaut mieux pas tomber. Moi, je le sens pas, le coin. Je le sens pas. Ça sent pas bon. Ça sent pas bon dans l'air. Tous les coups, il va y avoir un gros monstre bien méchant. Je suis déçu. Bon, bah non. C'est nope. T'es gentil, mon gars, mais si je regarde la carte, c'est par là. Hein. Ok. Ah. Attendez, ah, c'est compliqué leur bordel. Hein. On va aller par là. Je sais pas trop où ça nous mène. Mais ça va nous mener quelque part. Ouais, ça j'y pense. Je pense que ça va nous mener quelque part. En tout cas, on se balade. Voilà. Ah, d'accord. Ah bah, je vais continuer à explorer, mon petit micro-ice. Essaye de pas tout me dire, bordel. Je vais être méchant, hein. Oh, 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 oh. Hop là. Hop. Deuxième perle. Troisième perle. Des gros insectes. On va se les farcir. C'est tout? Ah! Ils sont pas résistants, ces trucs-là. Là, il y en a un plus gros qui arrive. Qui est pas content. Bon, bah voilà, ça c'est fait. Bon. Est-ce qu'il peut bien être notre route? Voilà, ça c'est fait. On va sortir de là. Parce que je vois pas trop l'intérêt. On reparte par là. C'est quoi? Eh, franchement, c'est quand même vachement beau quand même. Faut dire ce qu'il y a. Faut dire ce qu'il y a. J'ai dû me mettre en 720p. Tellement c'est juste waouh. C'est vraiment. T'as l'impression d'être un petit poisson dans un monde de corail. C'est juste génial. Foudre insecte. Ah, mais attendez. Y'a rien par contre. Parce que là, y'a un passage là.
Ah, il doit être plus haut le passage. Ah! Les Vespoïdes. Vespoïda. Pourquoi je peux pas passer par là? Ouais, ce frère, explique-moi là. Pourquoi? Il y a un chemin auquel je peux pas passer. Très frustre. Très, très, très frustre. C'est extrêmement. Ouais. Ah non, mais j'ai dû mettre en 720p. Hein. 1080, j'arrivais pas à vous envoyer du 60 fps. Donc, ça sert à rien. Ça sert à rien. Mais. Et là, je suis en qualité moyenne haute. Hein, donc, vraiment. Ouais. Encore lui. Oh. Tu me les brises, toi. Tu sais que tu me les brises. Je vais aller par là. Il me les brise. Je vais pas me leur affronter. Même 15 minutes à le tomber. C'est mort. Ah! Ah ah! T'es niqué! Tu me vois pas. Et tu t'enfuis. Parce que tu me vois pas. Voilà, c'est fait. Allez, mange dans ta tronche, toi. Il me semble que là, on est pas mal. Hein. Il ouais, faut qu'on monte. Et on devrait être bon, je pense. Un Paolumo a quitté la région. Oh, Pao, reviens. On t'aimait dans le jargon. Toi, le monstre pour femme. C'est pas sexiste ce que je dis là, hein, mais c'est vrai que c'est un monstre très kawaii. Très choubidou, très... Eh, sans se faire toucher. Non. Non, rien. C'est non. Hein? À tous les coups, je suis passé devant le camp. Hein. Ah, ça m'énerve. Hein. Je suis passé devant. Hein. Tous les coups, je suis passé devant. Celui-là, normalement, il est en bas. Il est en bas, là. Là, il est par là. Ah non, mais je suis passé devant. Hein. Bah là, il est là. Il est là. Il est là, mais vous avez vu la taille de l'entrée aussi, vous? Ça nous faciliterait drôlement la vie d'avoir un camp ici. On se dépêche de finir, qu'il puisse s'y mettre. Faut que j'aille voir la requête de l'intendant. T'es sérieux? Mais je vais te casser les jambes. Je vais te briser. Oh la vache. Ouais, il s'en fout devant le grand yard là. Trop de puissance. Messieurs, messieurs, calmez-vous et abonnez-vous. Voilà. On se calme. Voilà. Retournez au QG. Mettre fin à l'expédition. Ouf. Tom, 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 tom. Photosphore. Allez, tout prendre. Tout prendre, rien laisser. Allez, je suis rang 6, hein, ma couille. Hein. Allez, rang 6. Hein. Tu me respectes. Les dragons, ils en ont peur. Hein. Les dragons, tu te ramènes, tu fais... Hop, rang 6, mon gars. Chors ma carte, tu rends 6. Attention. Rang 2, ils se foutent de ta gueule. Mais rang 6, ils te respectent. Enfin, tout dépend qui. Hein, parce que l'Eurasian et le Ratalo aussi, ils n'ont rien à foutre. Hein. En dessous du rang 3000. Bonjour, oui.
Excusez-moi, on skip les dialogues, il y a tellement de... Voilà, c'est tellement intéressant. Vous avez vu tout ce qu'on a skip quand même. Bonjour. Ouais, c'est super. Accepter vol de Paolumu. Paolumu. Tout de suite, ouais, voyons voir. Ouais, on va faire la quête. Oh là là. On va faire l'autre bestiole de mes deux là. Rang 126. Limite. Limite. Faut le rendre 3800. Pour ceux qui n'ont pas connu ou qui ne connaissent pas ce monstre, je vous invite à ne pas le connaître. C'est la bestiole la plus teigneuse et la plus hargneuse qui existe en fait. Tout simplement. Allez, départ. C'est une wyvern. C'est un dragon. Les dragons, ça a toujours un mauvais caractère. Allez. Fais attention. Ah oui. On devrait peut-être commencer par là. Bah oui. Mais avant de commencer, parce que c'est le matin, on doit se faire un petit déj. Et un petit déj de viking. Ah, je peux même pas demander de fusée de détresse. Mais c'est de la honte. Oh là là là. Je peux même pas faire une fusée de détresse. Ouais, le Rathalos, il a mauvais caractère. Le Rathalos et le Razian ont tous les deux mauvais caractères, tout ça. Surprise du chef, bon appétit. Moi, ce matin, c'est petit lui. Voilà. Ouverture facile. Hein. Où est-ce que j'ai foutu mes canifs? Mon épée, bordel. Ah, attendez, je vais essayer de l'ouvrir. Oh. Ça fonctionne. Bordel. Après, tu pourras... D'accord, ok. Le couple de saloperies. Non, mais t'imagines, le Rathalos et le Razian ensemble. Après, t'apprends que c'est le mâle et la femelle. What? Bon, là, c'est bon. On est bon, on est ok. Allez, on attaque. Moi, je sais où elle est, la bestiole. Elle est par là. La puissance d'un Marco Trou. Coucou mon Julios. Coucou tout le monde. Eh les gars, je vous jure, je suis réveillé depuis 5h du mat. De 5h jusqu'à 9h, 9h30 là, j'avais la patate. Le sommeil me rattrape. Qu'est-ce qui se passe? Dites-moi vous aussi. Est-ce que vous avez des coups de sommeil après 4h de réveil? C'est honteux. T'as dormi 8h et d'un coup le sommeil dit non. Mec, je t'ai pas oublié. Je te rattrape. Ça va super bien dans le coin. On mange des petits lus en petit déj de viking. Voilà. Tout simplement. Ces gâteaux, je pense, les moins... parfaits pour moi. Voilà. Ce sont des petits beurres. C'est même pas des petits... Des petits beurres. Faites-moi chier. Putain, c'est même pas le goût. Faudrait que je dise à ma femme de m'acheter de la marque pour une fois. Tu sais, c'est le truc, tu les fais fondre dans ta bouche, t'as plus de salive. Ah! Oh putain. Il y avait une carcasse d'animal. Ah, salut mon petit muck. Coucou mec. Alors la grosse bête préhistorique, attends-toi pas du lourd. Hein.
Parce que là, on doit aller tuer le Pao. Ce que je dis, j'ai plus de salive. Oh putain. Ah oh, vache. Oh. Non, ça va le faire. Sans lait ni café, moi. Elle a dure, les gars. Elle a dure, le petit Lu. Sans lait ni café. C'est les vrais vikings. Pas les femmelettes. Hein. Donc non, pour ceux qui s'intéressent, il y a vraiment des grosses bêtes intéressantes. Parce que je dis ça, voilà. Dans le bestiaire, vous voyez, il y a des gros monstres. Hein, le grand Jagra qui est sympathique. Bon, le culu, lui, il vaut pas perpète. Le Pouquet est intéressant. Hein, c'est vraiment un caméléon croisé dragon. Le Baros, il envoie du steak. Lui, c'est de la merde. C'est plus... Parce qu'il est électrique, il est chiant, en fait. Il bondit partout. Lui, il est respectable. Lui, Langjan. C'est un T-Rex cracheur de feu, donc... tu vois, t'as le respect, hein. Voilà. Le Razian, qu'on parlait, là, tu as du respect total. Lui, t'as pas de respect du tout. Et voilà, on va chasser ça. Voilà, je suis désolé pour toi, Muck. Tu vas partir au travail, alors que je vais chasser une souris volante gonflable. Il y a des jours, c'est pas ça. Après, tu vois, j'aurais pu avoir ceci, le Diana, le Rathalos, voilà, ou le Diablos, ou le Sora Magdaros, énorme, énorme, c'est un monstre. Voilà, mais non, je vais chasser une souris gonflable. Je suis désolé pour toi, mec. Ah, bah figure-toi que non, Julio, je me suis pas fait défoncer à chaque fois. Il n'y a que contre le Rathalos et le Razian que j'ai perdu. Mais je pense que, tout simplement, j'ai pas encore le stuff pour... Bon, allez, enfonce. La souris. Est-ce qu'elle est, cette maudite souris? Trace de pas. On va trouver la bestiole. On a des vieilles empreintes. Ok, la traque a commencé, c'est bon, on l'a trouvé. Et le voilà. Cinématique de fou. Waouh. Ah, il en impose, hein. Il en impose 5 minutes. Hein. Maintenant, je peux utiliser la fusée de détresse. Bah, merci. Allez. Ah, mais je te jure, souris gonflable, regarde ça. Piti, piti, piti. Allez, tu vas mourir. Loupé. Talgar a quitté la session. Ok. Oh putain, non. C'est bon, il m'a réveillé. Et voilà. Mode souris gonflable. Oh mec, c'est ridicule comme bête. Non mais il y a plein de bêtes super badass dans le jeu. Et t'as ça. Pourquoi les gars? Pourquoi? À quel moment vous faites ça? Par contre, t'as fait mal là, faut arrêter de se foutre de sa gueule. Mais elle va me buter cette salope! Réagis, bordel, réagis! Là, j'ai envie de casser mon clavier.
Attendez, hein. Aïe, yo, putain. J'ai emmêlé ma cape. Génial. Voilà. Bon. Voilà. Une seconde, les amis. Allez, viens! Ça, salope. Espèce en voie de disparition. Tiens.
Ah, je vais l'exterminer, cette bestiole. Allez, viens ici, je te démonte la tronche à toi. Ah, je suis pas content, ouais. Allez, viens. Tiens, de la bonne estocade dans la tronche. Voilà. Tiens. Ah, tu vois plus rien, hein. Souris de Médeux, espèce en voie d'extinction. Ah, ça va déjà mieux. Ah. Ouais, je gaming en slip. Comment tu vas? Moi, ça va mieux déjà, là. Je lui en ai bien mis sa tronche, là. Je vais me soigner, vous en faites pas, les amis. Putain, la vache. Allez, vise bien, vise bien, vise bien, vise bien. Putain.
Ok, je l'ai pas touché. Ah, moi aussi, ça me rappelle un certain moment, mon petit Julius. Enlève-toi. Esquive. Yes. Allez, tu vas te le prendre le deuxième. Et voilà. Ah, oh, mais je vais lui couper sa queue à cette bestiole. Elle m'aspire et juste après elle me bute. Allez, viens. C'est ça. Ah, tu te fais pas respecter là, hein, bitch. Ah, je vais lui couper la tête. Je vais tout lui couper. Je vais la transformer en sashimi. Oh, j'en connais une qui va se faire violer. Pardon. Voilà. Bah alors. Elle est partie où la grosse? Elle est partie par là. Ok, on fonce. Ok, on fonce, on fonce, on fonce, on fonce. Voilà. Oui, non, j'ai eu coupé les pattes, tout à fait. C'est ce que tu voulais dire, Julius, bien entendu. Allez, on va l'éclater, on va l'éclater. La cherchez pas, les gars. C'est fini pour elle. Elle est à bout de souffle. Elle m'a énervé. Faut pas m'énerver, vous voyez, il faut pas qu'un monstre m'énerve parce que ça finit toujours mal. Allez hop, ration supplémentaire. Ration supplémentaire. Oh, elle est en train de dormir. Oh. T'es énervé. Me faire mettre KO par une souris géante. Tiens. Et je t'ai pas assez enchaîné encore. Voilà. Encore. Tiens, tu ripostes. Mais par contre, là, tu vas commencer à me les briser, là. Thank you.
Et bim. Ah putain. Allez. Non, il est pas trop brutal le réveil. Ce qui est brutal, c'est maintenant dans sa tronche à la bestiole. Il tape plus rien dans la boîte de fourniture. Hein. C'est ouf, le mec il s'est ramené, il a tout pris. J'ai eu un gars, il s'est ramené, il a dû prendre les fournitures et c'est barré. Putain. Allez hop. Allez. Putain, j'ai même pas le temps de prendre. J'ai même pas le temps de prendre une potion qui m'a enchaîné quoi. Ah, c'est pas une question de pas de chance, Julio, ça. C'est une question... C'est un des points noirs du jeu, faut que j'en parle. Les combats sont mous, et surtout, c'est du... tu places un coup, ça te fait trois coups suivants, tu peux pas esquiver. Et ça, ça me gaffe, ça. Ça, je comprends, j'ai un pote... qui, ça l'énerve sur le jeu, c'est que tu te fais prendre des coups et tu peux pas esquiver. T'as aucun choix, t'as aucune possibilité d'esquive. C'est rageant. C'est rageant. Peu importe l'arme. Même double dague. Peu importe les armes, c'est la même. Hein. Là, je vais lui mettre un coup et ça se trouve, j'ai la one shot, tu vois. C'est... Je le savais, je le savais. Voilà. Ma vie, c'est ça. À chaque fois. Hein. Dès que j'ai un bon try, si je me fais tuer sur la fin, c'est qu'il lui reste mais que dalle en HP. Ah là là. Cette saloperie de bestiole. Bon, on l'a quand même buté. Voilà, muck. Non, il n'y a pas de dégâts de chute, muck. Oui, Julio, je suis d'accord. Ça s'est toujours passé comme ça. Mais merde, les gars, c'est pas leur premier, quoi. Ils auraient pu changer. Non, c'est juste que voilà, je trouve ça trop punitif à des moments. Voilà. C'est bien, n'empêche, j'ai envoyé une fusée de détresse, y'a personne qui est venu. Oh, on voit le monde sur le jeu. Tu ferais bien de te préparer avant de te rendre dans le Val Putride. Comment ça, tu veux que je me prépare? Je vois le problème. Je suis prêt. Je suis chaud pour aller dans le vol putride. Allez, go.
Merci, mec. Merci beaucoup. Eh, hey, vous m'avez même pas dit GG, bande de tarba. Bon courage, mon petit mec. Et bon petit déjà tous, il est 11h. Ça fait 2h que nous sommes en live, voilà, tranquillement. J'accompagne gentiment. La beauté. Luxe, calme et volupté. Merci à ceux qui croient en moi. Et c'est ainsi que l'on nettoya la zone. Bon ben, je crois qu'on peut dire problème réglé. C'est ça, problème réglé. Voilà. On est tranquille. Il n'y a plus de problème. Il n'y a plus de bestiole, il n'y a plus de problème. Bon, on sait qu'elle craint le feu. On sait qu'elle craint le feu. D'accord. Bon, allez, on va se prendre un petit repas. Le repas du matin, c'est la surprise du chef. Non, elle a pas l'air gentille, cette bébête. Et comment tu vas, mon cher Geoffrey? Coucou, Medina Geoffrey. Oh yeah! A plus, mon petit muck. Et bon courage à toi, mon muck. Des bisous. La violence. Là, elle est énervée. Bon. Alors, bonjour, c'est Geoffrey. On va changer d'armement. On prend une arme un peu plus... fire. Voilà. Côté stuff. Côté stuff. Bah c'est du dragon, il est toujours bien. Y a pas à dire, mais ouais. Le dragon est toujours bien. Mon petit palico. J'ai chaque Raymond après aujourd'hui. J'espère vous accompagner lors de votre prochaine sortie. Mais oui, tu vas m'accompagner. Tu vas prendre 7, 6, 12. Voilà, ça c'est bon. Ça c'est pas mal. Okay. Et ben voilà. Pourquoi j'ai choisi cette arme Juliose, parce que dégâts de feu. Non, parce que j'aime bien cette arme. Ça fait un petit feu bleuté, voilà. Bah ça va super bien, mon petit Geoffrey. Ça va super bien. Bon, on a du stuff, on a tout. Donc, on doit repérer le grand Gyros. Donc, on va le buter. Vu qu'il a peur des flammes, bah voilà. Le Val putride. Endroit stupéfiant. Où ça sent bon les toilettes. Le Val Putride, un lieu admirable où vous avez l'espace de construire et d'abandonner vos carcasses. Voilà. Ah oui,
de faire attention au miasme. Je sens que je vais pas aimer le miasme. Bon. Ça me plaît pas. Oh, lui, il a la classe. Ça sent, oui. Ah ouais. Ah, lui, il a la classe, lui. Une petite boule qui manque pas de piquant. Ok. Chasser un Radovan. Ah, faut que je le bute. On n'avait pas dit ça au départ. Hein. Par contre, c'est où mes jambières, ça fait vachement des jambes de fille. On n'arrête pas de me le dire, mais... C'est le stuff en os. Et voilà. Merci Julius. Elle est mimi la boule à pique. Mais oui, elle est mimi. Merci Paige. Et voilà. Et il me touche normal. Alors qu'il est en fond de course. Allez. Allez, enchaîne-le, enchaîne-le, enchaîne-le. Trois coups d'affilée réussis. Mais oui, ça va réussir. Le pic à brochette va être parfait. Mais c'est qu'il a déjà plus de vie, le bestiau. On va le suivre. Il s'enfuit déjà, le pauvre. Mais ouais, moi je pense qu'elle pourra servir de pic à brochette, la bestiole. Ça va être bien. Mais ouais, j'ai des portes jartel, putain. Il faut que je change de stuff. Bonjour. C'est un de mes stuffs les plus résistants.
Allez, je suis parti en enchaînement, voilà, en combo. Et voilà, et là je suis stun. Et blanc. Je vais essayer de me soigner. Mais pas possible. Voilà. Putain, c'est ouf. Hein. Le jeu te la met tellement à des moments, c'est dingue. Merci. Tiens, regarde. Oh. Non, la souris t'es pas plus dur à tuer, non. C'est différent. Oh, je suis sur un seul moule, hein. Apporte-le-moi. Il fait exprès d'appuyer sur le seul mou là à chaque fois. Sur le tissu là. T'es énervé mon choupinet. Casser tes deux cornes. Oui, là, il ne sait plus où je suis, en fait. Voilà. C'est l'astuce. Là, il sait plus où je suis. J'ai plus de vie par contre. Voilà. Et donc il se barre. Ça c'est bien ça. Allez. Sympa la descente. J'ai plus de heal. Ah. Je vois pas de heal. Hein. Ah oui, merci Paige d'avoir remarqué le string. J'ai tout fait pour le mettre. Hein. Là, je peux te dire, je me suis fait coquette pour toi là. Ah, c'est vrai que les persos au niveau stuff, c'est abusé. C'est abusé. Allez. Ah ben voilà. Ah, il me sent.
Allez, bute-le. Voilà, dans sa tronche. Alors, on est exténué. Je t'avais dit que je te le casserais ton petit pic. Je t'avais promis. Je tiens promesse. Oh, tu peux t'énerver sur moi. Hein. Il s'enfuit. Je comprends pas trop ce qu'il fait là. Ah, il arrive plus à rouler. Je lui ai cassé son pic, il arrive plus à rouler. Oh, mais c'est que ça. Moi, je peux te le faire le deuxième, hein. Ah bah oui, il arrive plus à rouler droit là, hein. Il arrive encore à faire mal cet enfoiré. Deuxième partie détruite. Je t'avais promis toutes les cornes, et les cornes sont été détruites. J'ai qu'une parole, ma bestiole. Maintenant, je l'ai équilibré, le bestiau. Allez, on s'enfuit. Là, je vais le pourrir maintenant. Deuxième étape du pourrissement. Ah, c'est pas en bas, là, c'est pas en haut. Faut que je retourne pas en haut. Ça, le truc suspect. Par contre, il a perdu des parties, mais je les vois pas, les artefacts de parties. En fait, quand t'as un monstre qui perd une partie, il laisse un petit truc derrière lui, mais je les ai pas des masses trouvées. On va le chercher. Coucou Piti. Allez, viens voir toi. Radovan. Ah, tu dors ? Ouf, ça c'est en traître ça. Tiens. Mal ciblé, mais c'est pas grave. Tu peux me laisser charger mes attaques s'il te plaît? Tu seras gentil. Voilà. J'ai appuyé sur l'espace à temps. Allez, sur le dos. Mais tu vas mourir, bordel. Mais tu
tu vas mourir. Allez, tiens. Tiens. Perdu. 62 dégâts dans la tronche. On va collecter un fossile. Comment vous trouvez le jeu sinon les amis? Dites-moi un petit peu sur le live comment vous trouvez le jeu. C'est vrai qu'il est hardcore ce boss. Hein, vous trouviez que la souris était plus difficile? Non, ça c'est clairement un boss tanking. Très vie, beaucoup de vie. Donc, qui me met dans pas mal de mes retranchements, mais heureusement, c'est un boss qui est assez drôle. Et qui est en train de mourir, là, il a une petite tête de mort au-dessus de sa tête, là. Autant vous dire, on va le finish him. Oh bah. Tiens. C'est le réveil. Oh, il se balade dans son tas de... Je vais pourrir tes os. Voilà. Ça marche pas. Bah ça c'est le genre de boss que moi j'adore. Beaucoup de vie. Très lent. Avec beaucoup de combos possibles. Oh il m'a mis KO. Mais là je suis pas énervé parce que ça faisait un moment qu'on se battait l'un et l'autre là. Putain le mec qui rejoint la session tu vois juste pour prendre le loot de fin. En fait. Putain t'es... Endil, je ne te respecte pas. Sauf si t'es un viewer, mais alors là, non. Le gars, il se ramène juste à la fin. Je sais qu'il y en a qui aiment bien regarder juste à la fin du boss, en fait. C'était succulente. Ah, je te jure. Eh ben non, il l'a même pas rejoint. Toi. Il rejoint même pas. Ouais, ces os serviront de cure-dent. Ces os serviront de cure-dent. Vous voyez, là, ça se trouve. Je vais me le farcir, le boss. Eh ben, je vais l'OS. Voilà. Et voilà. Ah, je me déteste. Putain. C'est ma malédiction sur ce jeu. Vous vous rendez pas compte, hein.
tous les boss que je fais depuis le début, c'est que ça. On dégage les insectes. C'est à moi, c'est ma proie. On dirait des grosses mouches bien dégueu. C'est avec ça on fait du stuff, bordel. Je serais pas chaud. Bon, faut qu'on repère le grand gyros. Parce qu'avec tout ça, on n'a pas repéré le grand gyros. Et on a une petite croix. Qui nous dit, va par là. Voilà. Toujours pas de fusée de détresse. Hop. Là. Pourquoi ici? Il y a un fossile. J'ai une croix sur ma minimap. Vous voyez pas? Mais j'ai une croix sur ma minimap et je comprends pas. Salut Gorgoïte. Peut-être descendre encore. Faut que je descende dans les tréfonds. Antigone a quitté la session. C'est bien. C'est... Encore un? Oh non, hein. Voilà. Ah non, j'en ai déjà flingué un. Ça va, hein. Putain, il y en a toujours 50 dans le jeu. Bordel, les gars. Bordel. Encore un fossile. Qu'est-ce qu'il y en a des fossiles là-dedans? Fossiles démoniaques. Ah, quand on commence à parler de démoniaques, alors là. Attention de ne pas y toucher. D'accord. Cadavre de Liana. Bon, on gagne un os de wyvern moyen. Ah, oh, c'est tellement dégueu. Je vois pas du tout, il peut être la bestiole. Bah, la croix rouge, oui. Ça, c'est à dire que le chemin est bloqué. Merci, monsieur Holmes. On va chercher. Parce que nous, on aime bien les phases d'exploration. Hein. Je pense que... Voilà, vous me rejoignez là-dessus. Hein. Nous aimons bien les phases d'exploration. Mais c'est bien aussi le combat. Mais là, le combat, on en a eu assez. Nutriments, voilà. Je bois un peu de nutriments. Elle fait pas 50 km la map. Par contre, il y a un endroit où je suis pas allé. Ah, ici là. Tout en bas. Ah, c'est tout en bas, je suis pas allé. C'est pour ça. Oh putain. Ville connard, pardon.
Excusez-moi. Il m'a fait peur, ce con. Cet endroit est rempli d'une horrible vapeur. Ne la respire pas ou tu vas perdre de la vie. Je sais qu'il faut pas que je la respire, mais qu'est-ce que tu veux, à un moment donné, il faut quand même que je monte, hein. J'ai par là. Quelque chose ici. On va voir un peu plus. Ah, j'ai pas d'antidote sur moi forcément. Ah, j'ai des bombes tranquillisantes, soi-disant quand même. Ah ben voilà. Faut que je parte sur notre gauche là, par là. Ok. Fonce, Elstree, fonce. Oh, c'est tellement dégueu. Oh là là. Je suis, mais alors là, totalement perdu. Je sais pas pour vous, mais moi là, je suis super perdu. Ah, c'est dégueu. Ok. Faut que j'aille genre par là, je pense. Soit par là ou. Ouais, faut que j'aille par là, je pense. Donc. Comment on remonte par là. Voilà. Tout droit et tout droit. Allez. Et voilà. Complète. Allez. Ouais, parce que là, je veux pas le chasser le bestiau là. Là, je vous dis clairement non. Bah non. Bah non. Je vais pas le chasser là. Je pense pas que j'ai les habits pour le poison. Parce que. Non, c'est une vraie saloperie. Hein. Là, je m'en suis déjà assez bavé avec le premier boss. On va pas enchaîner avec le deuxième. Sur ce coup-là, je pense que vous pouvez me comprendre. Il était déjà assez relou quand même. Hein. Quand même. Il était affreusement mauvais. Yay! Ah. Hein? Bonjour. Ça va? Oui, je suis contente. C'est normal. Ah oui, c'est vrai. Vous étiez inconscient quand je vous ai trouvé. Ah, c'est grand-mère. J'appartiens à la première flotte. Ah bah. Vous avez de la chance d'être encore en vie. C'est ça, trop simple, Tenchi. C'est ça. Qui nous a sauvés. Oh, merci. Bah, elle vient de le dire. Connasse. Pardon. Vous êtes bien, c'est l'essentiel. Elle vient de le dire. De la cinquième, pas vrai. Bah ouais. Dites-moi, qu'est-ce que vous faites ici? Waouh. Un résidu de Zora Magdaros. Je vais voir ce que je peux trouver. J'ai passé des années à étudier les secrets de cette vallée. Et je commence à comprendre certaines choses. Alors tu veux me dire qu'il y a un super monde magnifique en haut au corail, et toi tu préfères rester dans un petit silence. Chacun son délire. Hein. Vous me direz ce que vous avez trouvé. Ouais. Bonne chance à toi aussi et
Pourquoi ils sont hyper badass, ceux de la première flotte, et nous on passe pour des crétins à chaque fois, ceux de la cinquième? Donc c'est un truc que je comprends pas. Je sais pas tout. Dans l'univers du jeu, il y a eu 5 flottes. En gros, à chaque fois, tu vois, il y a une flotte qui est partie et tout. Et toi, elle appartient à la troisième. C'est la capitaine de la troisième. Elle est stylée! Les chevaliers de la première sont oufissimes. Les guerriers de la première, à chaque fois, ils sont puissants, ils enchaînent, ils envoient des coups, etc. Et nous, la cinquième, on est là. Bonjour! C'est sympa! Ah, il est grand, lui. Ah, oui, il faut faire attention au monstre. Dites-moi, on sert à quelque chose? Non, parce qu'avec les copains, on s'est demandé si on servait à quelque chose. Non, mais sérieux. Regorgo. Il y a 5 flottes qui sont arrivées, ils arrêtent pas de te balancer. Oh, je suis là de première. Oh, tu sais pas si tu pourras en revenir. Oh. Allez. Et tu feras descendre dans les profondeurs du Val Putride. Non. Je vais tellement te tuer. Tu n'imagines pas. De chagrin. Hein. Allez hop. La forge. Jordi, la forge. Est-ce que j'ai besoin d'aide pour couper du pain? Ouais, s'il te plaît. Non mais c'est ça, c'est ça, Tenchi. T'as, tu regardes la première, deuxième, troisième flotte. Par contre, on n'entend jamais parler de la quatrième flotte. Hein. Non, je pense que c'est un sujet faut pas aborder. C'est un sujet à pas parler, tu vois. C'est, tous les coups, ça va être une grosse connerie. Ah, j'ai plein de nouveaux stuff. Merveilleux. Le chiamo. Ah ouais, ouais. Ah. Alors. Mais que c'est beau. Eh, c'est les insectes qui me font, qui me donnent ce stuff là. Foutage de gueule. Bon, Lyon, on sait très bien qui c'est qui va nous le donner, hein. Mais je risque pas de le buter aussitôt, lui. Non, mais... D'accord. Alors, le stuff du Pao. Messieurs les Japonais. Va falloir arrêter, hein. Va falloir vraiment arrêter, hein, le délire. Hein. Ouais, je l'ai rencontré récemment, Gorbut. D'ailleurs, à son stuff. Je pense qu'il est stylé, lui. Il est stylé, crise d'épilepsie, il est stylé. Je le veux. Je vais te farmer ta gueule, putain. Il est trop stylé. Par contre, les stats, elles sont à chier. Il est trop stylé, putain. Oh là 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 là. Mais bien sûr que je le mets direct. C'est ouf. Il est juste trop stylé. Mais par contre, on va parler du palo, là. Le pao. Faut arrêter, les mecs. Faut arrêter. C'est un stuff doudoune classique. C'est... Non, mais je vais me concentrer, oui, sur... l'Angela, oui, c'est bon. Je vais me concentrer dessus. C'est celui qui, je pense, a mis en stat. Il est bon en physique. Ouais, celui de... Je suis désolé. Hein. Stylitude sur 20. Stylitude sur 20. Et on va se faire la Lanja. On va se faire la Lanja. On va se faire la Lanja. Pas de soucis. Ça, c'est de la merde, ça. Ça, c'est... Comment des insectes de merde peuvent donner ça? C'est ouf, c'est ouf. Bon, arme.
Ah, peut-être que je peux forger de nouvelles armes, peut-être. Morphoche. L'arme du dragon. Le découpeur draconique. Il me faut des os de corail et des os déformés. Oh, je m'étais arrêté au deuxième set, tu vois. Je viens de voir qu'il y a encore des sets supplémentaires. Putain. Oh non, mais non, mais l'arme avec un cœur dessus. Ah, les concepteurs, hein, ils ont bien mis le truc de Pao à fond. C'est de la merde. Hein. C'est de la merde en barre. Hein. Les mecs, ils ont assumé jusqu'au bout. Hein. Ah les gars, vous me décevez, mais vous me décevez. Non. Voilà, stuff qu'il me faut. Donc, je vais me concentrer sur Jagras, nanana. Morphage bestial, voilà. Je peux l'améliorer comme ça. Parfait. Non, merci, Gorgoïde. C'est gentil, mais non, merci. Spéglas. Non, non, je t'en remercie. Ça se... C'est bon. T'inquiète pas, mon ami. On va prendre l'écraseur d'os. Par contre, ça fait stylé, tu vois. Là, je me sens homme. Alors, l'équipement. On va changer tout ça. En fonction d'équiper, oui. L'écraseur, voilà, parfait. On va prendre le haut casque du haut fourneau. Feu. Un stuff anti-feu. Ouais, celui-là, il est pas mal. Bon, bah, on va farmer le T-Rex. Allez. On est parti pour farmer le T-Rex. Ouais, j'ai exploré les zones, Gorgoit. Et arrêtez avec juste un conseil, Strife. Est-ce que... Un conseil, Strife, est-ce que... Oui, oui, oui. Vous en faites pas. J'ai fait Monster Hunter sur DS, Monster Hunter 3, Monster Hunter 3 Ultimate. Je les ai tous finis. Donc, oui, oui, oui. Putain. Puis ce matin... Bordel de bordel. Vous en faites pas, les filles. Tiens, hop, ça part là-dessus. Allez, on rejoint le bestiau. Ah, c'est fou, ça. C'est fou. On est fou. La commu. Je vous aime. Allez, on attaque. Allez. Qu'on se stuff complet, là. Alors. Le stuff est là. Voilà. La priorité, c'est d'assurer la sécurité du QG en éliminant cet Anjanas qui menace. Anjanas, t'inquiète pas, on arrive. Ah, c'est bon. Non mais, je sais bien mon Gorgo. Mais j'aime bien faire les quêtes, mon Gorgo. C'est mon kiff, mon Gorgo. Allez, on fonce jusqu'au boss. Parce qu'il y en a un qui est déjà dessus, je pense. Smokey qui doit être dessus. Smoke, oui, évidemment. Oui, il est déjà dessus. Salut, gars.
100% de dégâts, c'est acceptable. Allez. Allez, sur la gueule. Oh, le groupe de farmers d'Aranja là. Ça passe, allez. Ok, ça c'est bon. Tra, les mecs ils sont dessus à fond quoi. Je trouve qu'il y a très peu de personnes qui jouent quand même Morphoage. J'ai failli me faire paralyser. Elle est sympa la scène dans le coin. Hop là. Hop, tout ça à la flotte. On est tranquille. On a juste à attendre. Ça, j'aime bien. Salut. Ah, fallait capturer. Ah ouais, sympa. Ah, c'était pas simple. C'était pas simple. Bah, en tout cas, moi, je peux te dire que j'en ai pas vu des masses, hein. J'en ai pas vu des masses. Hein. Depuis que je joue, c'est surtout katana, arc. Beaucoup katana, arc. Et l'homme des cavernes. Tire à la fond de réussite. Waouh! Et ouais, voilà, c'est surtout ça. Merci, Tunchi. Merci. GG à l'équipe, surtout. GG à l'équipe. Mais non, c'est. C'est surprenant en fait, voilà, j'ai pas vu beaucoup de morphoage. J'ai dû aussi peut-être une ou deux, tu vois, sur tout le temps, mais les morphoages, c'est pas ce qui me choque le plus en fait. Hein. C'est, je sais pas, peut-être non, mais il y en a peut-être qui aiment pas aussi. Hein. Ouais, nanana, ouais, génial. Allez, à boule les sphères d'armure, toi. À boule. J'en ai rempli des merdes. Allez, allez, allez. Contre un. C'est bon, livraison. Et ben voilà. Livrer les objets demandés. Allez. Allez. C'est bon. Camp 17. Camp machin truc. Chouette. Ok.
Capture de Wyvern. Je sais pas, on va peut-être faire de l'écologie de la capture. Plateau de corail. Ouais, les explorations, ça va, 5 minutes. 1 sur 2, exploration, contrat, 1 sur 3. Nature. Voilà. Allez hop, qu'on améliore notre stuff. Voilà. Parce qu'améliorer son stuff, c'est bien. Ah mais c'est ça les katanas et les arcs, on a la pelle, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'on est que dalle. On va changer nos jambes. J'en ai vraiment marre des du look coco. Voilà, hein. J'ai toujours pas d'accord. On va peut-être changer parce que j'ai assez pour le faire. On va mettre les jambières haute métal. Voilà. Oui. Oui, ça fait moche, mais non, il y a toujours des jambières. Regardez ça. C'est les jambes. C'est les jambes que je dois changer. C'est les bottes. Les bottes, elles sont pas bonnes. Ça fait encore plus moche. Pitié. Pitié. Pourquoi j'ai cette poisse? Pourquoi? Pourquoi Pardi? Pourquoi? Pourquoi moi? Pourquoi on ne m'aime pas? Voilà. Au moins, il y a le look avec les jambières. Je sais pas ce que vous en pensez sur le live. Dites-moi en commentaire de la vidéo, les amis, parce que voilà, c'est... C'est invraisemblable. Invraisemblable le cul de malade que j'ai. Et pas dans le sens où vous l'entendez. Non, du tout. Bon, on va faire de l'artisanat. Potion, méga potion. Méga, méga potion. Ouais, méga potion. Potion. Nutriments. Nutriment. Poudre à canon. Poudre à canon. Capsule aveuglante. Aveuglante. Pige du fou. Spion empoisonné. Paralysante. C'est GM. Les pièges électrochoc. Piège de fausse. Filet. Piège de fausse. Poudre à canon. Gorgouite, non, non, non et non. Non, Gorgo. Je sais que tu vas tout prix. Non, non. C'est mort. T'es gentil, mais non. Je t'en remercie, mais pas besoin. Voilà. Pour le moment, j'en ai pas besoin. Vous en faites pas, je m'en sors comme un grand. Manteau d'Aranja, je l'ai mis à fond. Les avant-bras d'Aranja, on va les mettre à fond. C'est à donf. Qu'est-ce que je voulais mettre à fond aussi? La cuirasse. Oh, 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 oh. Comme ça, ça sera bon, ça. La cuirasse pour le futur. Comme ça, on aura tout le stuff à fond, ça sera bon. Mais je te taquine. Mais non. Je sais que t'insistes pas. Allez, hop, on attaque. Ah, mais j'ai oublié de prendre des équipements minimum secondaires. Bon, c'est pas grave, on les prendra dans la quête. Rejoindre une quête. Qui chasse le T-Rex? Qui chasse le Titi, le T-Rex? Le Titi, le T-Rex. Non. Ça, non. Euh...
Non. Y a personne qui chasse le T-Rex là. Pas de pitié pour les boutons. Je vais faire lui. Je vais faire lui, vite def. Parce que voilà. Yo, Chrysalix, comment tu vas? Bah bien, le viking va toujours bien. Il a retiré sa cape ce matin parce que voilà. Parce qu'il fait chaud. Il fait chaud. J'ai balancé mes spots à 9h. J'ai lancé le live. Et ça fait 2h20 qu'on est ensemble. Et ça, c'est bien. J'ai retiré les spots et tout. J'ai retiré la cape. Je mourais de chaud. Là, chez moi, il fait 25 degrés. 25. C'est un truc de psychopathe. Voilà. C'est dingue. 25 degrés aujourd'hui. Voilà, c'est... Il fait chaud. Mais ça va, oui. Oh. Je te mets des claques, moi. Tiens. Ben voilà. Respecte-moi. Non mais où? Les mecs qui me respectent pas. Je te jure. Allez hop, surprise du chef mon gars. On mange. Tac. Ça, c'est bien. Bon, et bah pendant qu'on est en train de becter un petit peu et tout, les amis, je vous rappelle, n'hésitez pas à aller checker nos partenaires qui est en haut à droite. Hein. J'ai mis les partenaires, peut-être que je les ai pas mis assez grands quand même. Mes partenaires, voilà. Donc, le site Sea of Thieves, par exemple. Là, il y a Pandiweb. Voilà. Donc, si vous avez envie, allez voir sur Pandiweb, c'est super bien. C'est un site pour faire des sites web. Voilà, géré par Geoffrey Johanka. Donc n'hésitez pas, il y a Pandier Héberge qui va ouvrir prochainement ses portes donc pour louer des serveurs. Ça, c'est très important. D'ailleurs, j'ai un code promo sur leur magasin, si vous avez envie. Ça peut être toujours bien quand même. Ensuite, LDLC, Warzone, ça c'est les web TV sur lesquels je stream. Sea of Thieves France, c'est Sea of Thieves fr.fr. Voilà. C'est un site de fans de Sea of Thieves, tout simplement, qui est génial, qui est bien fait. Et en plus, je vais avoir mes voix sur des vidéos de guides, donc si ça peut vous intéresser au passage. Voilà, je fais ce petit moment d'intro parce que voilà, je fais ce petit moment de présentation des partenaires. Parce que j'aime bien présenter un petit peu, je vous les voyais défiler constamment, à force c'est rentré dans votre esprit qu'ils sont présents. Mais c'est important de les rappeler qui est, c'est voilà, tout simple. Donc, pendant que je changeais mon équipement, parce que forcément, on a de la foudre, et si je pouvais avoir du stuff foudre un petit peu mieux, ce serait pas dégueu. Eh ben, je n'aurais pas mieux, si, Galbaros, mais il est moins résistant. Donc, je n'aurais pas mieux. Par contre, en armement, forcément, Célanos, peut-être pas mal, mais l'élément foudre peut être contré, je pense, par le primitif. On va garder l'os. Voilà. Mais pas de soucis, mon petit Tenchi. Merci à toi. Des bisous, Tenchi. Des gros poutous. Voilà. Allez, c'est parti. L'ennemi est par là. Allez, on fonce. Allez. Mode chimpanzé. Estrif, viking et chimpanzé. Bon. Je suis clairement en train de me perdre. Je vais me TP, on va gagner du temps.
Bah dis bisous, Titenchi, merci à toi. Merci à toi en tout cas de ta présence. Bonne fin de game à plus dans le bus, merci à toi aussi. Mais de toute façon, hein, ça va être l'une des dernières chasses, les amis. Hein. Il va être bientôt midi. Hein. Donc pour ceux qui regardent le live en rediff, les team rediff, comme j'aime les appeler, la team rediff, eh bien, sachez que voilà, ça va bientôt être la fin. Donc ne coupez pas, ne zappez pas. C'est bientôt la fin, mais pas encore. ça va aller, vous en faites pas. Voilà, hop. Maintenant, faut qu'on aille en hauteur. Donc, allez. Ah, tu sens que le perso, là, il fait de la route, là. Ouh, tu sens que le perso, il fait de la route. Ah, ça, j'aime bien ça. Ça, du minerai, j'en ai 50 000. C'est pas grave. Je sais que t'as besoin d'aide, chef. Bon, je suis dans une caverne. Voilà. Il faut que je grimpe. Faut que je trouve un moyen de grimper. Bah, tiens. Moyen de grimper! Ah, je l'entends. Il est sur ma droite, là. Je l'entends, je l'entends. Allez, on suit les petites lucioles. Allez, on fonce, on fonce, on fonce, on fonce, on fonce. Allez. Come with me now. Bam! Un coup on se réveille. Ah, y a pas de morpho hache. Ah mais non Ah tu chies dans la gueule hein. Dans sa tête. Il s'enfuit. On y croit. On est passé dans une chasse à un tout autre niveau. On y est à fond. Hop. Le problème c'est qu'il va sur le grand jagrin. Ça va être un problème ça. Merde. Une potion. Petite potion vite fait. Le problème c'est qu'on a un Aranja là, un T-Rex. Ça va pas être simple. Tiens, le mec il a pris la hache spéciale.
Pas mal. Pas mal, pas mal. Alors, ok. Bonjour. On se dit bonjour au moins. Ah. Moi je me barre. Parce que là c'est pas un combat qu'on peut gagner là. L'Anjata versus Toby. Toby versus Anja. Ouf. Ouh, c'est Toby qui est en train de perdre là. Oh, Toby est en train de morfler là. Mais bien sûr. Non, non. Allez, prends cher, Yuki. Le grand Jagra a été tué. Génial. Ouh là là. Cours. Cours. Fuis autant que tu peux. Voilà. Le message rassurant, vous pouvez de nouveau à manger. C'est bien. Ah. Ah non, je vais le croiser. Je vais croiser le T-Rex. Non, c'est bon. Toby est là. Bon. Alors. Ok. On connaît des champignons. Ah. Ah ouais, non, là, ouais. L'Anja, il a une très très bonne mâchoire. Très très bonne mâchoire. Je crois qu'ils sont en train de se farcir le T-Rex en bas là. Mais les gars. Faut me rejoindre les gars. Voilà quoi, Toby. Ah, faut suivre Toby là. Toby is party. Non mais t'es con ou ça se passe comment Mathieu? Mathieu, du calme. Du calme Mathieu. C'est bon, il se fright. Ok, on va pouvoir se fighter avec. Alors dans l'eau, je crois que l'eau et l'électricité, c'est pas un bon délire. Je suis en train de ramasser, s'il te plaît. Tu me respectes un peu? Tu vas me respecter? Allez. L'autre il fait des moulinets avec sa hache, il comprend rien. Allez. Voilà, qui est bien. La queue, allez hop. Ça fait toujours du dégât en plus. Malin mais rougeoyante.
du sang de mes ennemis. Oh! Ça fait mal, là. Hein. Ah, je me suis propulsé. Je pense que l'image va être magnifique. Je pense vraiment que ça sera une belle image de fin. Parce que la propulsion était parfaite. Une membrane, une écaille. Pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. On a eu du bon loot. J'aime bien ce genre de loot. Ta-da-da. Allez, 10 secondes. Et voilà, l'image de fin. Quête terminée. Oh là là, elle est belle. Oh, elle est belle. Non, concrètement, elle est belle. Regardez-moi ce beau screenshot. Franchement. Franchement. Est-ce qu'on se terminerait pas là-dessus? La puissance! Regardez-moi ça. Qu'est-ce que vous en pensez, les amis? Avant d'aller manger. Le mec qui se fait éjecter. Là, je dois être à 10 mètres de hauteur. Je pense que c'est une très très belle. Une très belle cinématique, man. C'est beau, c'est beau, c'est de toute beauté, c'est... Voilà. Donc les amis, sur cette magnificence, je vais ainsi bas vous laisser. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. Soyez forts, soyez grands, soyez vikings. Des très très gros bisous. Oh yeah! Mouah!